C'est bien d'après la trêve d'enchaîner sur une victoire. C'est vrai qu'on continue sur notre lancée, on est sur 3 victoires d'affilée, donc c'est vrai que c'est positif. Voilà. On se demandait ce qu'on allait faire après la trêve. Voilà, c'est bien de reprendre par une victoire. Et du coup, là, on a trouvé qu'on était bien solidaires ce soir pour aller chercher cette victoire. Je félicite tout le monde, surtout les supporters qui étaient toujours derrière nous. Après, tout le monde a donné, c'était pas un match facile. Ajaccio, c'est une équipe costaud, donc on a pu gérer les matchs et on a pu être efficace devant le but et ça paye, donc on est content. Ce qui est bien ce soir, c'est qu'on a montré des valeurs de combat, on s'est arraché pour maintenir cette avance. Avec un peu plus de réussite, on aurait pu se mettre à l'abri, mais c'est bien, on prend pas de but et on avance dans le championnat. Ouais, c'est qu'on a un peu reculé, on a resserré les lignes. Mais bon, Mamad a fait les sorties qu'il fallait sur les longs ballons du gaz, ils n'ont pas eu vraiment d'occasion très très franche. Et voilà, on a un peu de frayeur, mais pour le suspense, c'est bien, et les 3 points qui font du bien. Ah, ça fait toujours plaisir de marquer. Franchement, je suis trop content, surtout le coéquipier qui me fait toujours confiance et qui me donne les bons ballons et je marque, donc je suis vraiment content et je sais que ma famille aussi, tout le monde est content pour moi. C'est vrai que l'objectif est presque il est presque atteint, mais du coup il reste encore un match pour qu'en Brest, bon après il reste, si on peut aller faire le plus que ce qu'on a dit, bah voilà, on va aller chercher, mais c'est vrai que pour l'instant on est bien parti pour notre objectif. On fait une très belle série, en plus on sait qu'on reçoit encore la semaine prochaine Bourg-en-Bresse. Donc à nous de nous faire respecter sur notre terrain, continuer à jouer avec cette même combativité, pardon, et on aura les résultats.